Balandia Congo Live Télévision de partout au Colanda Biso, Mbote Nabino, Toko Beta Masola Mboka, parce que l'air est grave en République démocratique du Congo, Lelo Tozali Bongo, Namwana Mboka, Oyo, Lelo Oyo, Akomilo Mabattre à travers la vérité Naye, Akobimisa, ce qui concerne le parti au pouvoir UDPS, Nakatia, République démocratique du Congo, Tozali Bongo, Namwana Mboka, Jeff, O Lelo, ma vidéo est commis très virale, très recherchée, Nakatia République démocratique du Congo, Toko Yeba, parce que Toko Yeba, qu'est-ce qui se passe dans la carte UDPS? Est-ce qu'il y a crise au sein de l'UDPS? Est-ce qu'il y a des groupes aujourd'hui Oyo et qu'on conteste, mais le groupe ou anion soit finalité dans la banque Zalinini. Toko Beta Masolo. Oyo et qu'on kabola moke, UDPS, groupe y a été Nilogonde, Ide Augustin Kabuya, Lelo Mwana Mboka Jeff, y a le bien été. Comment n'a-t-il allé côté à la gauche, à droite, c'est-à-dire qu'il allait fixer le secrétaire général, il y a eu deux pèses, Augustin Kabuya, Toko Solola. Et bon, Toko Souki, ça n'a pas manqué. Trêve, oh, les alliés, bon, on a est la République démocratique du Congo, tout le monde. Délégation, il y a la République démocratique du Congo, Koumami, na, les diplomates, il y a RDC, ministre des Affaires étrangères. Bakéi, face à face, le ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda, James Kabarebe, pour négocier l'ikambo, il y a Kanyabaonga, tous les wapi. Na kati ya République démocratique du Congo, mwana mboka Jeff azali longo na biso to kobeta masolo mbote na mwana mboka. Mbote ndeko Olivier mbote na balandi tu bazali kolanda biso na Congo Live Télévision, ba kongomani pe tu bisika tu bazwami twali kopesa bango mbote pe tokanisi ete tokolekisa mangonga elamu pona kosolola maye matali actualité politique ya République démocratique du Congo et surtout la situation ya parti politique dont je fais partie lui l'UDPS. Lelo mon amboka Jeff okomi l'homme à battre na kati ya République démocratique du Congo le problème ba vérité mais nana ko poser ba question oyo population congolaise pe ba komi tout na et même il y a d'autres personnes au sein de l'UDPS aussi veulent savoir la vérité et qu'est-ce qui se passe réellement au sein de l'UDPS parti au pouvoir mon amboka tout monde ba vidéo très virale et pa yapi ya liboso Okosenga de part, il y a Augustin Kabuya. Il y a Nibale, Okosenga, éveil patriotique, il y a Bana, il y a UDPS, Balamuka, parce que l'air est grave. La situation est comment, mon amboka? Ndek Olivier, Nabanzi était combattant tout d'élite. Aussi, Nathan Oyotozali. Je pense que Moutou a participé à la création, il y a UDPS, Bao Batikali, Baza actif. Il n'y a que la seule Maman Marthe, dont je salue, j'ai beaucoup de respect envers Maman Marthe, parce que Azali, exemple à suivre pour beaucoup de femmes en République démocratique du Congo, c'est une dame de fer qui n'a pas cédé la pression, répression, des prisons dont le Sphinx de l'Imité avait fait objet à l'époque. Elle a tenu ferme jusqu'à ce qu'aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Ça veut dire que Lelo na UDPS, Moutou a participé à Bouye y a UDPS, donc au Botama y a UDPS Azalité. Biso tout oye, tu adhéré na vision y a UDPS et surtout na idéologie Oyo Etienne Tshisekedi Ayaki Nango au sein de l'UDPS. Lorsque nous avons lutté, nous disons nous avons lutté pendant 37 ans, moi j'ai commencé la lutte de l'UDPS, j'avais alors 15 ans, j'étais encore aux humanités. Aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans. Ça veut dire que je sais comment l'UDPS fonctionnait. Je sais comment Etienne Tshisekedi avant d'aller côté, il y a l'idéologie de l'UDPS. Regardez aujourd'hui ce qui se passe à l'UDPS. On s'est dit que non, nous sommes en train de nous égarer de la vraie idéologie que Etienne Tshisekedi nous a prêchée. Aujourd'hui, à l'UDPS, aujourd'hui, nous disons que nous sommes au pouvoir. Nous sommes un parti présidentiel. Pouvons-nous être fiers aujourd'hui de dire que le cadre des droits qui était le chemin des batailles, il y a Etienne Tshisekedi des alliés réalisés aujourd'hui. Pouvons-nous dire aujourd'hui que le peuple est d'abord des alliés réalisés même à 30%? Mais pourquoi l'objectif, il y a Etienne Tshisekedi, des alliés atteintés alors que nous sommes au pouvoir? Nous avons 6 ans. Le problème ici, ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que tous les Congolais, Moni Moussala et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azali Kosala, ils se débattent comme un diable pour rechercher des solutions aux problèmes des Congolais. Tous on savait que non, Bouta, tous avaient une opposition, le problème de l'insécurité à l'Est s'appelait le Rwanda.
On avait des propositions. Lorsque nous allons arriver au pouvoir, la première des choses, c'est de travailler d'abord sur l'infiltration. Il faut réformer l'armée, réformer l'appareil sécuritaire. Tout ça, Fatih est en train de le faire. Mmh. Mais le problème qui est là, c'est l'accompagnement de notre parti politique aux efforts du président de la République. Mmh. Nous nous sommes rendus compte que le malheur, il y a UDPS, le malheur de notre régime a un nom. Et ce nom, c'est Augustin Kabouya. Oh. Je l'ai dit, le malheur, et je le répète, le malheur de tous les combattants de l'UDPS, le malheur, il y a 37 ans de lutte, il y a UDPS, le malheur que connaît Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui, le non-accompagnement de son parti politique a un nom, c'est Augustin Kabouya. Mais comme je dois finir, allez, comme nous avons aujourd'hui identifié les problèmes, il faut maintenant résoudre ces problèmes. La résolution de ces problèmes, c'est le départ d'Augustin Kabouya. Voilà pourquoi j'ai passé le message. J'ai éveillé la conscience de tous les combattants de l'UDPS. J'ai dit à toute la jeunesse, je suis l'homme le plus heureux parce que mon message aujourd'hui est Yokani n'a pas combattant presque tout, il y a UDPS. Regardez la réaction de Mwanda. Bah, tout le monde fait, il y a fédération, il y a Mwanda et UDPS. Pourquoi? Parce que les combattants à fédération, il y a Mwanda, bah, c'est retrouvé. À Lubumbashi, la même chose. À Mbujimaï, la même chose. Le Lomoni était ni Longondo, à Sali Oyaye. Mais l'objectif, il y a Bissou et Zanim. Et Zate, que notre Zanim manipulé par quelqu'un pour se contredire Augustin Kabouya. Mais moi, je l'ai toujours dit, Kabouya, c'est un incompétent. La gestion du parti aujourd'hui prouve que Kabouya, c'est un incompétent. Et sa place, il doit quitter le parti présidentiel pour laisser la place à quelqu'un d'autre, afin que Tshisekedi, Félix, puisse être accompagné et réussir ce deuxième mandat. C'est ça notre objectif, c'est une lutte qui est noble. C'est pour l'avantage de tout le monde. Voilà, Nabandi était Tokosala un peu coéclairci la population. Na Kozongo d'abord on a deux volets. Volet Liboso. Comment Augustin Kabouya est arrivé comme secrétaire général de l'UDPS? Est-ce c'était de la manière légale ou c'était une manière illégale? Vous savez, lorsque Ozolo Bela l'arrivée à Kabouya comme secrétaire général, ceux qui n'a coté na Muzindo, on n'aura pas le temps. Ce qui était déjà fait était fait. Yemokwa Yebi qu'il a été nommé par un intérimaire, c'est qu'il viole d'abord le statut de notre parti. Kabouya n'a jamais été nommé par le président du parti, parce que le secrétaire général du parti est nommé par le président du parti. Moutouanoma Kabound, il était intérimaire. On avait donné la chance à Kabouya vu le comportement de Kabound, qui était son colussier au Babandé qui co-gérait Naye parti. Tout à fait. Azoba Bouzoba tout à l'obi et Zangate Kabound, Moutouabandé qui co-gérait parti. Tolobi, si c'est comme ça, Yotikala Kassi, Nanouna parti, en attendant tout ça, la Nini, Tokende Namaponami, toi accompagné Tata Mokoja Ikolo, Namaponami. Pour accompagner chef de l'État dans ma ponem. Mais tout le monde dit que Kabouya na Kabound, c'était la même chose. Et lui est plus pire que Kabound. Nandengin. Écoutez, nous sommes un parti au pouvoir. La première des choses, nous avons la majorité présidentielle. Tout à fait. C'est quoi la majorité présidentielle? Donc, c'est notre candidat, Félix Tshisekedi, qui a été élu massivement aux élections présidentielles. C'est ce que nous appelons la majorité présidentielle. Aujourd'hui, nous avons la majorité parlementaire. Aucun parti politique n'a plus de députés que l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous avons la majorité au niveau du Sénat. Aucun parti politique n'a plus de sénateurs que l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mais regardez là où le bas blesse. On a vu sous la gestion de Joseph Kabila, Toke Maponami, en 2011, PPRD, malgré Azalaki, la majorité présidentielle Nabango, à l'époque, comme on l'appelait MP, PPRD était majoritaire par rapport au parti politique Moussouso Obanda qui composait la majorité présidentielle à l'époque. PPRD a-t-il qu'à la concéder présidence et assemblée nationale.
PPRD a tika la concéder présidence ya sénaté. PPRD a tika la concéder primature. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir? Tosu primature, topesi yango na caméra. Tout le monde connaît qui est Kamere. Le sphinx de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Le sphinx de l'unité n'a jamais crié à Vital Kamere. Ce qui le lève à tout le monde, Kamere, Kaméléon. Moutoua, Pessaye, Komba, Kaméléon, c'est un Tshisekedi Omolopo. Il n'a jamais crié à Vital Kamere. Mais Kamere est devenu président de l'Assemblée nationale avec la bénédiction d'Augustin Kabouya. Alors que c'est l'une des pèses qui est majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Tokéye au niveau du Sénat. Au lieu de que Bazozo a Sénat, ba pèse en gona sama lukoni. Alors que c'est l'une des pèses qui est majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Il y a le fils maison de l'une des pèses. Au bazan a ambition, il y a Kokota na bureau, il y a Sénat. Il y a M. Topin Kabongo, connu, il a travaillé dans le chef de l'État. A l'obi, il faut postuler comme questeur. Au niveau du Sénat, on aurait appris que Augustin Kabouya n'a dit ma bande la présidium au bazar bando qui a république. Je pèse bien mes mots parce que ces gens n'aident pas le chef de l'État, mais ils sont là pour leurs propres intérêts. Bakéi Bayokani Balobi, Carole Aditou, kabiliste 100%, qui a travaillé à Yazala Kaka Kawana. Et la fin à niveau de la Sona, c'est ce qui dit ans. Tout le monde a eu échange à dire. Bami tout ka yosomba mi bambongo bi misami pour pas corrompre ma sénateur. Bazo poste wana ba pesa na Carole Aditou. Mais elle vient d'être aussi questé on na na bureau outil ko leka ya bati lu kwebo. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Na lingi ko zonga na simate parce que ma belle ma gestion incompétence ya Augustin Kabouya et bandi le loté. Mais biso nous sommes dit ce qui, premier mandat, les kabilistes se sont retrouvés à 80%. Na deuxième mandat, on a zoé bisayo. Tant que nommé ba ministre, au yoki Augustin Kabouya sala qui communiqué à l'obi, moutou abimisana no kabine na yete, en attendant ya salalini, atin da ba kombo, ya ba membre ya parti na ba kabine. Posez-vous la question, les cabinets aujourd'hui sont formés. Combien de combattants de l'UDPS se sont retrouvés na ba kabine? Combien de combattants? Il nous a amené Kiaboula. Kiaboula, kabiliste. À comment tu sais que c'est un moment où il y a Augustin Kabouya? À comment vous voyez des pèses? Regardez le gouvernement provincial du Haut-Katanga à Kiaboula. Combien de partis ou bien de membres de partis Bazali Kouna na Katia gouvernement? Zéro. Tu viens ici à Kinshasa. Babini Selibiso Bumba. Il a applaudi Bumba, comme ici Bumba, notre gouverneur, il y a eu des pèses, c'est lui Bumba qui va changer les choses. À l'obina Bumba, à côté de la liste, il y a ma combattant, il y a eu des pèses, il faut travailler dans Bango. Regardez le cabinet de Bumba. Le cabinet dirigé par qui? Par un ancien directeur de cabinet, il y a Kimbuta. C'est lui qui revient dans le cabinet, il y a gouverneur, il y a eu des pèses. Le gouvernement provincial, il y a ville de Kinshasa, 80% des kabilistes. C'est comme pour insulter nous la jeunesse de l'UDPS qu'il n'y a pas de la crème intellectuelle à l'UDPS. C'est comme pour dire que non, na UDPS ba to ba koki ko assimer ba fonctionne ba salité. Et Kabouya est en train de vendre le parti de l'UDPS ko pensa yango na ba to yo bazali ba kabiliste pour bazali na misolo ya opesa ye. Et le gens de l'UDPS ba bunda. Ba bunda na ki po ba kabiliste ba zonga lisusu ba continuer na gestion. Et que Bissotos à la marche pied na bango. Voilà pourquoi j'ai passé à le veille à conscience y a ma combattant. Et le long j'étais l'homme le plus erré. Lorsque j'ai vu que le parlement de Moutou, ba tombo ki ba lobi, Kabouya doit partir. Et c'est la fin de Augustin Kabouya. To bandek na bandek koye bisaye. Et d'azo ye bisaye li sousou, na milite yo nazali koloba. So ki azali Moutou Abouanya, il s'est déjà enrichi. Qu'il démissionne. S'il veut garder juste une simple dignité, honneur pour la kaka personnalité, il est temps de démissionner. Sinon, pas, Toko Senga na VPM de l'intérieur. Makambo et Makambo, ma policier, Bayaba Kanga Moukwezati. Awa Tozo Loba, na Kanda, parce que Toto si, Tobi quitté. On l'a accompagné. On pensait que peut-être. Dans le mandat, où les combattants vont se retrouver. Mais il n'y a rien. Il y a un autre lobby, ce qui a été fait, c'est le temps de démissionner. Sinon, pas le Kobanda, il y a Kolanda, Batumbangu. Il y a une permanence, il y a une cadena, il y a une sous-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 sous
L'UDPS est une pyramide renversée. Tshisekedi a retiré la signature. Oyebi batungi nyoyo babanda makambo a retiré la signature, c'est nous. J'avais dit à Nicolas Kazadi. Kazadi tika ki moyibi ozali nango. Makambo ozali kosala na ministère ya finance ezali malamu te. Kazadi asala complot na kabuya bakangisa ngai. Dieu merci na sala une semaine na bima. Na loba je ne vais pas négocier avec Nicolas Azali ko rendre un mauvais service au parti. Le valeur ya Azali ko mimawana ezali ba valeur au sens de l'humité atangi sa bisoté. Le nom vous connaissez l'histoire de Nicolas Kazadi na balampadaire na wo etali forage. La même chose je dis à Augustin Kabuya qu'il doit partir. Ndenge Nicolas Kei Kabuya doit le suivre. Parce que Nicolas na Kabuya c'est la même chose. Mais le nom de mon ami, c'est que a volé à Yaliboso, on a expliqué comment arriver à Yali. Mais le nom de Augustin Kabuya doit partir. Mais blocage, Zali, il va partir par quel mécanisme? Aussi longtemps vous ne reconnaissez pas, pour rôle, Zali, qu'on joue dans la carte de poste, Zali, mais vous faisiez partie de la loge, non? Vous avez dit congrès, Augustin Kabuya est parti. Le nom de a démissionné de manière ni mon ami. Au moins, Kabuya, je le répète, il est le malheur de l'UDPS. Au moins, ils sont qui va repérer Ndoki Mundo, qui est le mouton à Bomaka, qui est famille. Vous avez dit que Kanakanda, Batouana, mouton à Boma, mouton à Boma, mouton à Boma. Nakanda, donc, Ndoki Piazo risque Kokoufa. Yangone, n'a pas risqué, il doit, pour l'honneur, son honneur, il doit démissionner. Pour mon pépo, il y a un alaka qui est, dans des vidéos, il y a Batouazali, Kolobela, j'ai dit, la guerre vient de commencer. Mon peuple est allé koya. Kabuya au télé matin. Kabunda kutu c'était bien. Kabunda na prison mais y'a aucun mamboko. Parce que tant que longwa na le secrétaire général à l'UDPS, il doit d'abord nous payer au yotu ba combattant tout sur l'étendue nationale baraté na 5 ans liboso. Kabuya doit payer ça. Mais je vous dis, Kabuya doit payer ça. Il va payer ça comment? Parce que maintenant pour revenir à votre question. Parce que tu as dit que tu as dit que tu congrès. Mais Kabuya, c'est un petit dictateur. Kabuya, c'est un kabiliste. Tous les kabilistes qui se sont retrouvés dans le pouvoir, c'est Kabuya. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Mais est-ce qu'il ne fait pas. On va répondre d'abord à la question il y a congrès parce que. Mais est-ce que les gens, autant que Pepe Rada va se préparer pour un retour à Joseph Kabila parce que. On ne voit pas que. Mais les amis, ils ont déjà. Mais c'est Kabuya. Lorsque vous prenez le pouvoir, vous donnez aux kabilistes. Le pouvoir, Nabino UDPS. Mais vous préparez. Vous avalisez la chemette pour que Kabila zonga. Parce que toi, là, bazali na bokoli. Tu prends un Lusadis ou quelqu'un qui était âgé à Aner sous Joseph Kabila. Kabila qui l'a formé. Tous les généraux de Zomonawana, c'est Kabila qui les a vénérés. Yo, quand c'est Kabila, ce qui a zongi en 2028, Batouana va côté, mais la Kabila. Parce que Kabila moutoua, c'est là que Batouana va zalawana. Mais pourquoi le koki kozoba na mbokate? Parce que Lelo, on doit se dire la vérité. Protéger le pouvoir, c'est anormal les fils maison dans des postes de responsabilité. Tout à fait. Combien de fils maison de l'UDPS sont nommés dans des postes de responsabilité pour protéger le pouvoir? Combien? La plupart, ce sont des personnes qui travaillent déjà dans Joseph Kabila. Quelle est la différence entre Néhémi Mouilanya et Augustin Kabuya? Mouilanya, il y a un bon d'apport à toi, Kabila, il y a un poste. Kabuya zo bunda po batwa Kabila ba salani. Bazo ba poste. Donc va vous préparer retour. Mais il est kabiliste caché au sein de l'UDPS. Augustin Kabuya, c'est un kabiliste qui s'est caché au sein de l'UDPS. Le preuve sont là, je suis en train de le démontrer. Ndeko, Olivier, toquen à gouvernement provincial à Villa Kinshasa. Qui a chanté à Mémé Libiso ba matinée politique jour et nuit, la permanence à l'UDPS pour nous amener Daniel Bumba? C'est qui? Ce n'est pas Augustin Kabuya. Regardons maintenant ce que Bumba est en train de faire. Il donne le pouvoir à qui? Nabatoua Kabila, ton abananda kwa UDPS. Bazali ko prépare ton ko protection ya pouvoir, ton bazali ko prépare le retour de Joseph Kabila au pouvoir. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Vous partez au niveau ya Grand Katanga.
Kabuya aye a insulté nos frères Luba. Que Bakima Kindoke pa inabango, Bakeye pa inabango, il a appelé des Congolais sur leur terre que ce sont des migrants. Et ça, nous, on doit fermer nos bouches pour ne pas en parler. Non, trop c'est trop. Kabila, Kabuya, c'est un élément envoyé par Kabila au sein de l'UDPS pour préparer le retour de Joseph Kabila. Mais Tomoni, quand même, Augustin, nous l'avons identifié, il doit partir. C'est ça la solution. Tomoni, Augustin Kabuya, quand même, est-ce que c'était une manière de bafouer l'ordre, il y a un ministre, VPN. Et ça, mais, parce que. Est-ce que Dalaki pour encore bafouer l'ordre avec peine? Il a pris Kiaboula, il l'a amené chez maman Marthe. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, mon Amboka? Il y a mon azoye, il y a un Mboka. Surtout, il y a l'été. Il y a poto, il y a intérieur. Il y a la guerre vient de commencer. Je vais donner la date, il y a Kobengana Kabuya. Où il y aura la marche sur toute l'étendue du territoire national. Amener Kiaboula chez maman Marthe, c'est une insulte. La personnalité n'a pas maman Marthe. Oh. Mais je vais vous dire la vérité. Au sommet si, macabiliste, Nanda Kouya Etienne Tshisekedi. Tshisekedi qui n'a jamais collaboré avec macabiliste. Parce que vous avez vos copes personnels, Babel Gissi et Pavepem, parce qu'il a violé la constitution. A nommé Batouna gouvernement n'aille au-delà des 10 comme recommande la constitution. Yo d'après quoi, au même yo atambola ma poloti et pas maman Marthe. Maman Marthe n'a outi koloba azali l'exemple pour beaucoup de personnes, pas seulement des femmes, mais même pour les hommes. La constance que notre maman a fait la combat au pôle et l'autre commande à pouvoir. Mais maman Marthe ne mérite pas que bakabiliste wana baya kapemene. Et ça d'abord, comme même sa image, il y a Etienne Tshisekedi, amener un Jacques Kiaboula parmi les gens. Oh, il y a Boma Bande Konabiso à IDPS dans le Grand Katanga. Kiaboula faisait partie. Oh. Mais je vous dis, Kiaboula Nenga Zaliwana. Qui l'a fait Kiaboula Zala Kiaboula Lelo? Ce n'est pas Moïse Katumbi. Moïse Katumbi et Joseph Kabila, dans l'élection en 2011, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, même contre Etienne Tshisekedi Wamulu? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont bloqué l'aéroport de Ndjiliawa. Tshisekedi a Okitate. Le père, je ne parle pas du président Tshisekedi. M'a bloqué Awa. Vous saviez, le jour il y a clôture, il y a élection en 2011. Mine Salimate. Mouton, il y a un directeur à cabinet. Il y a soi-disant gouverneur. Il y a eu des pèses. Il était le directeur de cabinet de Kimbuta. On a mis les propos de Kimbuta contre Tshisekedi en 2011. Oh, Etienne Tshisekedi a répliqué qu'il y a lobby. Qui est ce gouverneur-là? D'abord, son président doit rentrer au Rwanda. Les gens se rappellent de ces propos-là. Mais toi, n'en est pas le pouvoir, il y a une dépense. Toi, tu bloques Etienne Tshisekedi. Bundisa Etienne Tshisekedi. Salamabe na Etienne Tshisekedi. Na famille biologique, il y a Etienne Tshisekedi. Famille politique est subir. Tumba permanence. Nini na kokyo lobake. Il y a des familles qui ont perdu leurs enfants. Il y a des amis qui ont perdu. Les mêmes personnes qui étaient à l'organisation, pour balayer pas Kabuya, bah y'en a pouvoir. Et puis surtout t'es kalakaka main croisée. T'as coté Kalisu sous temps n'a montuté. Kiaboula wana, VP Malobi, tu dois respecter la constitution. Kabuya Memi et pas maman Marthe. Quel est le message qu'il a envoyé au peuple congolais? Est-ce qu'il y a une contradiction réalité par rapport à la VPM, Oyo et Sengeli a assumé responsabilité na ye, par rapport il y a attribution na ye ba PCA na na gouvernement commence. Augustin Kabuya comme maïe pas maman Marthe pour que tous les retombent. Est-ce à continuer na 10 membres du gouvernement plus 10 commissaires ou les alliés locaux là 20 membres ou soit les locaux parce qu'on a attendu, on aurait attendu que c'est maman Marthe mon toi Pessi bateau bakota na kati ya gouvernement ya nani ya Jean Kiaboula. Et c'est faux, mon toi sakanana maman Marthe tende ko Olivier, ça c'est faux. Kabila, c'est un messager Kabuya, c'est un messager de Kabila au sein de l'IDPS pour préparer le retour de Kabila en 2028.
tous ces messages au bas tu n'as rien entourage n'aie pas zolo bah non maman Marthe bah l'icos bah ça canate na combo maman Marthe bah l'ongola d'ailleurs maman Marthe na makambo bah l'ongola maman Marthe na makambo parce que elle mérite beaucoup de respect na niveau tozo tcha et tchèque c'est que d'une même niveau tozo ali kocha maman Marthe bati kababuzoba Kabuya doit assumer ses actes, ses erreurs au sein du parti. Tu se trompes. Je dis bien, on reconnaît que tu se trompes. Parce que j'étais David tant que Bengana Kabundu, Nana Lobatina Kabuya Bakende. Bozo Bengana, Ndokimoko, Botiki, Ndokimusus, Bosani, le côté. Yangonde, tu zongeli, le lona point de départ. La solution, c'est le départ. Or, le Bazani Kolobama Kambuya Stati. Regardez la dictature, un petit dictateur comme son père Kabila. Aye, na congrès, Azali Kolobanini. Au nom de Dieu, ma Kambozali Boye, na ordre du jour, il y a congrès, tu inscris kaka point moko. Congrès au Kenaka. Oui, congrès au Kenaka qui point moko, ils ont inscrit à l'ordre du jour, c'était quoi? L'entérinement, il y a candidature, il y a président de la République. Oh, ils avaient l'élection, il y a un au Kamba parti, c'est faux et archi faux. Je mets quiconque au défi, j'ai les images, j'ai tout. Ce so qui m'outoyé à wa, na lobi, na zolo, na zana media. M'outoyé bimi sa image contraire ya makambo na likoloba. Kabuya comme un dictateur. Avant que tu congrès, quand t'as sali communiqué avec un seul point à l'ordre du jour, j'ai tous les documents. Il n'était pas question, il y a restructuration et l'organisation du parti. Il n'y en avait pas. Et Zala Kikakato a entériné candidat, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat de leader. Et bon, on a une bakoumissa qui est président, président AI, AI de PES. Qui a fait des Kabuya, président AI? Mais c'est ça, il y en a Yena Peter Kazadi qui était ministre de l'Intérieur. Oh, mais disons la vérité. Ces gens-là étaient là pour servir les intérêts de Kabila et les repos de Kabila. Qu'il faut que l'Obama Kamouninge Zali. Mais dans le congrès, il y a des responsabilités, il y a des têtes, il y a des engagés partis. Mais je vais dire, je vais dire, Augustin Kabou, il y a des gens qui ont été engagés. Je vous ai dit ici, d'abord, nous avons commis l'erreur, il y a Obengana Kabou, du côté de Kabou. Et comme parti, tu as déjà poussé à la pémène à Maponami, tu as dit que non, tu es dans Maponami. C'est là où nous avons vu que la mégestion, l'incompétence de Kabuya et Bandi Kobima. Face cachée à Kabuya et Bandi Kobima. Le long à minute, moi je parle avec des preuves. Nalobi, je l'ai dit, j'ai le document signé par Kabuya. Un seul point inscrit à l'ordre du jour, na congrès wana. Ce qui va te dire que notre collègue qui est le deuxième point, il y a là qui est entériné à Kabuya, Banda Kwangazé parti. Qu'il me prouve sur, avec le test. Qui sont les membres habilités? Il y a qu'à investir Moutouyo, Moutouana au comité. Regardez dans le Kabuya Makambasali na parti. Dictateur comme Kabila, plus que Kabila même. Il est plus que Mobutu. Le nom a eu des pèses, de Olivier, nous avons pensé ça. Oye, ma porte parole a eu des pèses. Ah. En toute vérité, ben, il y a eu porte parole a eu des pèses. Tout est centralisé sur la personne d'Augustin Kabuya. Yemoko président AI, yemoko secrétaire général, yemoko porte-parole, yemoko financier, tout est centralisé au Augustin Kabuya. Même Ligue des femmes. Ligue des femmes, c'est lui. À ta Ligue des femmes, Lingue se réunit. Yé Kabuya, il faut ça. Oh. Mais je vous dis la vérité. Il y a des images, la preuve de tout ce que j'ai dit. Mais quand même, on a. Mais quand même, il y a deux personnes à la président de la Ligue des jeunes, non? Ligue des jeunes. Amis Makuta. Makuta, le président de la Ligue des jeunes. Et bon, il m'a dit Joe Bazana. Oh. Qui a fait de Makuta, non, le président de la Ligue des jeunes? Mais il y a des choses qu'il faut qu'on se dise de vérité en face. Vous connaissez Yves Boukoulou. Vous connaissez Emani. Tant que nous accueillons le ministère, selon la préséance, il fallait qu'il y ait le président de la Ligue des jeunes, ce monsieur Emani Diogo. Mais pourquoi la Longola Emani Diogo pour la coacher Nani? Pour la coacher même Amis. Est-ce que Amis, il y a un au-delà de 50 ans, il peut diriger la présidence de la Ligue des jeunes?
Mais le lot, on a pas dit que tu as chuté par rapport à temps, et tu as allé parti. Je pense que ça, c'est la série. Oui, c'est la série Liboso. Finalement, les spectateurs, parce qu'il y a même des diasporas au Bahi, dans l'UBPS, par le monde, basique au Landabiso, basique au Yoka, qu'est-ce que c'est, quand vous allez dire qu'on est en ville province à Kinshasa, ils se demandent, ils se posent des questions. Je pense qu'on va faire ça d'une série. Ça, c'est la première série, et on va suivre ça de près, jusqu'à ce qu'on va savoir, et si ka, nini, Makambo Oyo, et Kosukela. Oyo, mon amboka, au conseil de démission, il y a Augustin Kabouya, au sein, il y a eu de PES, mais voir déjà, est-ce le lo Oyo, Augustin Kabouya quand même? J'ai reçu quand même proche, Naïmoka Lobby était, c'est Kabouya qui a permis à eu de PES, le lois à la gouverneur à Kinshasa, c'est la première au sein de la ville province à Kinshasa, c'est Kabouya le lois à permettre à eu de PES à la bas député Bélé. À la force parlementaire, c'est Kabouya le roi a perçu beaucoup de nombre de ministres. C'est Kabouya aujourd'hui qui a créé tout ce que l'UDPS a comme force aujourd'hui au sein de la politique de la République démocratique du Congo. Vous les chassez pourquoi? Il y a les gens pour des miettes qui sont considérés aujourd'hui comme des chiens. Mais c'est à Messa Augustin Kabouya. Kabouya Zolia Biftek, Bangobazolia des miettes qui tombent de sa table. Ce sont ces gens-là qui viennent vous dire que non, Kabouya, pour la première fois, a pessimisé son gouverneur à la ville de Kinshasa. Mais posez la question à ces gens-là. L'UDPS participe pour la 40e fois dans l'élection, il y a bah, gouverneur de la ville de Kinshasa. L'UDPS est devenu parti présidentiel en colonie. Pour Baya Koloba, c'est Augustin Kabouya. Kabouya est là comme secrétaire général. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. C'est lui qui nous a présenté Bumba, candidat UDPS. Mais je vous ai dit, il y a lobby qui est non Moutouana. J'espère qu'à l'anda émission, peut-être mon collègue Olanda, au Tchapenza, débat contradictoire, tout solo là par rapport à Makambouana. À lobby, c'est pour la toute première fois. Kabouya, il y a le ministre gouverneur, il y a Vilia Kinshasa, membre de UDPS. Tout à fait. Pour quelle finalité? Ce qui dépasse à vie Vilia Kinshasa, ça veut dire que gouvernement provincial, Banane Baokambango. C'est lui de PES ou bien c'est la Kabylie. Ça veut dire que le cabinet à Bumba, banan va travailler qu'on a. Bah toi, il de PES, toi, Kabila. Ça sert à quoi qu'on a la Bumba gouverneur, élu sur la liste de lui de PES. D'ailleurs, Bumba n'était pas élu sur la liste de lui de PES. Que les gens se trompent. Il a postulé comme indépendant. Bah toi, qu'on s'est battu. Kabouya a joué avec les gens, il a dribblé les gens. Est-ce que Bumba était élu sur la liste de l'UDPS? Est-ce que l'UDPS avait présenté un candidat aux élections de gouverneur de la ville de Kinshasa? Nous sommes des chevronneurs politiques. On n'a pas le temps de lire, de s'informer, de s'actualiser. Je le mets au défi. Ce qui m'a dit, Bumba a été élu UDPS. Baye Bisabino, UDPS va profiter de Nini, va gagner Nini si Daniel Bumba. On vous dit pour la toute première fois, Tobi Missi, ministre Belé. Cabinet, ministre Wana, combien de membres de l'UDPS sont là? Pour que Tobi Tamabou Kikabou Yassali Moussala Malam. Combien l'Assemblée nationale a la majorité? Avons-nous pris la présidence de l'Assemblée nationale? Avons-nous pris la présidence du Sénat? Mais à quoi bon que ça va tout non, c'est pour la première fois, Kabouya. Mais il y a une première ministre quand même. Premier ministre, na lingi okota babilo ko anate. S'il vous plaît, na lobi na abundana no Kabouya ke. Après si ko tokotala, mutu nini tokotia pour être combattant se retrouve. Mais ayena matière avez-vous lu? Il vous a dit Zela. Vous me dites des choses, il faut na recadrer babilo ko bele. Allez-y. Parce que j'avais dit la guerre est déclarée. Dites-moi sur la liste de l'UDPS. Judith Toulouk a été élu député national sur la liste de l'UDPS. À vous d'aller, je pose la question Bokende Koluka. Ce qui j'ai dit Toulouka a été élu côté à Congo central comme député à UDPS. Sur la liste de l'UDPS, allez chercher, vous ne trouverez pas son nom. Ah, mon amour. Mais tout le monde a dit ça. Il y a une matinée politique à l'objet de la Sangissi. Au cadre même, il y a UDPS avant la Bango, il y a eu besoin de juger dans mes gestions. Mais il y a eu mes gestions, il y a eu Zali, Nini. Mais je viens de dire, il y a Batouana, Zela. Au moins, Batouana, tout au bazar, Pembini à Kabouya. Il m'appelle en privé pour dire, mon cher bravo, et l'autre, c'est le courage que toi tu as eu. Ils ne sont pas d'accord avec lui.
Bazoliale ba miette, je l'ai dit, c'est sur le chien, sous la table de Kabouya, Kabouya Zolia Biftek, Bango Bazolo Kota ba miette. Mais en réalité, ils sont mécontents. Tous ces gens-là m'appellent à priver pour nous tirer notre libérateur. Mais Alomi, clairement qu'il a pris, il a peut-être 900 dossiers dans gestion d'ambition. Gestion d'ambition. Aza peut-être n'a pas moins, Aza même pas dans 500 postes. Alors, on s'est retrouvé dans le Sabatoumoussou, c'est pas nous. À quoi Sabatoumoussou? Est-ce que gestion d'ambition, Kabouya Bandi Angolelo? Non, ma gestion ambition à Banda depuis le premier mandat. Combien se sont retrouvés dans la gestion d'ambition? Au Yébi, que dans ma cambo à ma ministre, il y a une gestion des ambitions. Combien de ministres ici à ma dossier où il y a déposé? Où il y a un déposé à ma gouvernement? Combien? Yo mona qui me fait ma finance à Kenda qui a déposé une gestion à dossier dans la gestion ambition. Mais qu'il arrête de mentir les gens. Nous ne sommes pas de petits enfants. Il doit partir. Ici, c'est le débit. C'est le commencement d'abord de la fin d'Augustin Kabouya. Comme la page Kabouya d'ailleurs, pour finir, je dis la page Kabouya est déjà tournée. Voilà, merci beaucoup mon amour. Quand on a dit que il y a même ceux de l'IDPS, il y a diaspora. Message n'est pas ça. Il y a l'IDPS dans le monde. Il y a diaspora. Il y a Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils doivent attendre? Message non à la population congolaise. Le message que je lance est le même message que j'ai lancé na base il y a l'IDPS. C'est l'éveil patriotique. C'est le pouvoir de l'UDPS. Tout bunda te pendant 37 ans, ba papa na biso ba bandalit, biso toye ko continue nango, ezate ke to sala 10 ans après tout tiki pouvoir. On doit garder le pouvoir. Mais to moni ke Kabouya azali infiltré ya Kabila au sein de l'UDPS pour repréparer le retour ya Kabila na 2028 en donnant les postes clés na ba kabiliste pour préparer le retour ya mentor na bango. Et comme nous avons identifié les problèmes, le malheur, il y a eu de peste que c'est Augustin Kabouya. Nous devons nous tenir debout. Bino ba diaspora bisika bozali, ba to bazali na kati ya intérieur, il y aura la date to opesa bino marche salemi na ba fédération na ba section. Biso to zali awa na Kinshasa, nous allons partir ti na permanence ya UDPS pour tourner la page Augustin Kabouya. Sinon pas lito to salaki o batata na biso ba banda pero le biso to zali ko continuer to litaki yango pamba. Félix Tshisekedi SN, il n'est pas accompagné par son parti politique. Ce qui te zala qui n'a un stratège au sein du parti présidentiel, le lot qui te perdre président chez l'Assemblée nationale, te linga qui te perdre poste il y a président il y a sénat, te linga qui te zala na ba que belé ya UDPS au sein ya ba cabinet, il y a ba ministre issu de l'UDPS, on aurait plusieurs gouverneurs, membres de l'IDPS et non de gouverneurs, Oyokabou ya recruté dans la cabilité parce que Bazali est belé. Alors, comme nous avons connu le problème que le chef de l'État n'est pas accompagné par son parti politique, et que moyen de protéger le pouvoir n'a pas les alités, parce qu'on protège le pouvoir en donnant le poste clé au fils maison, il y a parti politique. Et comme le fils maison ne se retrouve pas, il n'y a personne pour sécuriser, protéger le pouvoir, les garder le plus longtemps possible. Et le malheur, na makambwa na tout cause na yango, il s'appelle Augustin Kabouya. Nous disons à tous les combattants, Bomoko, Lilobamoko, Bisotou, Sima, ya suite, ya lutte aux amis Kosala, ya intérêt général. Et le départ d'Augustin Kabouya est acté et sa page est tournée pour que l'UDPS puisse conserver le plus longtemps possible le pouvoir. Mais ici, est-ce que vous avez la bénédiction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi? Le chef de l'État a pas la qualification sur Makamba parti politique. La constitution lui interdit, il y a qu'au s'ingérer dans Makamba parti politique parce qu'il est le président, il y a battu ensemble, il y a battu à la Mouka, il y a battu à SID, il y a battu à Envol. Il est le président de tout le monde. Il ne peut plus encore côté à la Makambouya parti présidentiel ou soit l'UDPS parce que la constitution l'interdit. Et nous, le chef de l'État sait que autres Ali Koloba et Ali à solo. Même lui, là où il est, a yébiké, banawana, batikala, depuis papa tika bango bazalika kabongo. Kabouya servir parti, il doit partir. Et j'espère qu'il est de même avis. Nabiso, regardez Makambouya et Belé, comme c'est une série où Yébandi Lelo, on aura le temps d'expliquer les gens pourquoi nous disons Augustin Kabouya doit partir. Merci beaucoup, mon Amboka. Merci, Ndeko Olivier.